Flamme jumelle, révélez le masculin sacré. Mes amis, si vous êtes fasciné par le monde des relations et l'intensité bouleversante des flammes jumelles, je vous invite à plonger au cœur d'un voyage initiatique, un voyage vers le masculin sacré. Laissez-moi peindre une image pour vous. Imaginez une âme, une source d'énergie pure et indivisible, à l'aube des temps. Cette âme se divise en deux, le féminin et le masculin. Commence alors un grand ballet cosmique pour ces deux êtres séparés mais à jamais liés. Les réincarnations se multiplient et avec chaque existence, les flammes jumelles s'attirent. C'est une danse de reconnaissance, de croissance et parfois même de chaos. Car voyez-vous, les flammes jumelles se reflètent l'une à l'autre, y compris leurs blessures les plus profondes. Quand nos flammes jumelles masculines, avec leur essence si unique, entrent dans notre espace, elles secouent nos univers. Elles bousculent nos conforts, nos zones d'ombre, et c'est justement cette alchimie qui est précieuse. Alors, en quoi consiste le masculin sacré de nos flammes jumelles? Il incarne la force tranquille, une colonne vertébrale qui offre une assise, un cadre sécurisant. Nos hommes flambeaux ne sont pas là pour s'agiter ou nous sauver, ils sont là pour être. Leur présence nous aide à nous ancrer et à trouver notre propre équilibre. Attention, ce masculin sacré n'a rien à voir avec une quelconque domination, ni même avec les anciens archétypes du guerrier ou du patriarche. Il s'agit d'une force qui réside dans son intégrité, dans sa volonté de prendre sa place et d'éclairer le chemin. Nos flammes jumelles masculines nous invitent à nous déployer, sans perdre de vue nos propres valeurs. Bien sûr, le chemin du masculin sacré n'est pas exempt de défis. Certains hommes ont du mal à embrasser leur puissance, leur sensibilité. D'autres peinent à équilibrer les énergies masculines et féminines qui les habitent tout comme nous. Blessures et schémas ancestraux peuvent entraver leur capacité à pleinement incarner ce sacré. Notre rôle, c'est de les accueillir avec amour et compassion, de créer un espace sans jugement où ils peuvent explorer leur vulnérabilité. Patience, compréhension, mais rappelez-vous, notre mission n'est pas de les soigner ou de les changer. En brillant de notre propre lumière, nous les inspirons à s'élever aux côtés de leurs inséparables moitiés. Car au fond, c'est de cela qu'il s'agit, aider nos flammes jumelles masculines à honorer l'être splendide qui est en elles. En faisant cela, nous activons notre propre féminin sacré. Cette communion, cette union à tous les niveaux, voilà ce qui rend l'aventure d'être flamme jumelle si extraordinaire. J'aimerais vous partager une petite anecdote personnelle. Au début de mon propre parcours de flamme jumelle, je m'attendais à ce que mon partenaire rayonne ce masculin sacré dès notre rencontre. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Au fil du temps, c'est par mon propre travail de guérison et mon élévation que j'ai encouragé cette énergie à émerger chez lui. C'est beau, non ? Voilà, mes chers amis, j'espère avoir éveillé en vous une nouvelle perspective sur cette partie si riche du voyage des flammes jumelles. Le masculin sacré est un trésor, un catalyseur, et il mérite d'être reconnu et honoré. Et puis, quel plaisir de voir nos flammes se hisser à leur plus haut potentiel grâce à la magie que nous partageons. Si vous êtes en quête de connexion et de soutien dans votre parcours, songez à vous abonner à notre chaîne. Nous sommes une communauté grandissante qui a à cœur de partager les clés, les expériences et cette douce folie qui entoure les flammes jumelles.